Bien, bonjour à tous. Cette première table ronde va être une introduction à cette journée qui vient d'être présentée dans ses grandes lignes par Bruno Marmol et qui va discuter des divers aspects de la question du numérique et son apport possible pour rendre l'offre culturelle, la pratique artistique plus accessible à tous et en particulier aux personnes handicapées. Et pour ouvrir ces échanges, nous avons souhaité entendre les témoignages vécus de personnes qui, dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, peuvent de temps en temps se heurter à des obstacles. Ils nous diront lesquels, mais qui ont aussi appris à les surmonter. Ils nous diront comment, et qui enfin peuvent avoir des attentes, voire des propositions d'amélioration, en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc nous avons deux témoins ce matin. Le premier, c'est Melchior Derouet, à ma gauche, qui est comédien, concepteur événementiel. Melchior a tenu de nombreux rôles au cinéma. Vous l'avez peut-être vu dans Imagine de André Jakimowski. Vous l'avez peut-être vu dans une scène d'anthologie ou de Paris, je t'aime, où il jouait avec Nathalie Portman, qu'il guidait au travers de Paris en courant, fouettant l'espace de sa canne blanche. Très jolie scène. Melchior a aussi joué au théâtre avec Ariane Mouchkine, à la télévision. Donc c'est un passeur et un producteur de culture. Le second témoin, à ma droite, est Jacques Sémolin, historien, politologue, universitaire, professeur à Sciences Po. Chercheur, directeur de recherche au CNRS, je m'arrête là, hein. Ses recherches portent sur les processus de résistance civile au sein des dictatures, ainsi que sur l'analyse des massacres et génocides. Il est l'auteur d'un grand nombre d'articles scientifiques, d'ouvrages historiques qui font référence. Il a également écrit sur son expérience de la cécité, en particulier récemment un livre qui est paru l'an dernier, qui est un livre que je vous recommande, qui s'appelle, dont le titre est Je veux croire au soleil, aux éditions Arène. Voilà donc ces deux intervenants que je remercie d'avoir accepté le challenge et le principe de la table ronde. Et je me tourne vers eux deux en leur demandant tout simplement de compléter le rapide portrait que j'ai brossé d'eux en nous disant en particulier quel est leur rapport à la culture, professionnellement et personnellement. Et je vais commencer peut-être par Jacques. D'abord, Dominique, merci pour cette invitation. Merci à Brynett de m'avoir fait signe. Alors, la question que vous venez de poser, en fait, elle est au cœur de ma vie. C'est-à-dire, c'est la culture qui m'a sauvé. Ou plus généralement, la recherche de connaissances. Puisque face à la cécité qui allait arriver inexorablement, j'ai cherché à me battre. Et en me cherchant, je suis devenu chercheur. Et j'ai fait de ma vie professionnelle, mais aussi personnelle, un combat pour la lumière, mais un combat pour la lumière de la connaissance. Et dans ce parcours, bien entendu, la technique a joué un rôle fondamental. Alors, vous l'avez dit, j'ai raconter un peu cette affaire dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Je veux croire au soleil. Je pense que comme il y a des anglophones dans la salle, on pourrait dire I want to believe in sunshine. Et puis j'en ai écrit un autre quand même, je me permets de le signaler,
qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger »,« I arrive where I feel a stranger », et dans lequel je raconte ce voyage vers la cécité. Et dans ces deux ouvrages, la technique est au cœur, finalement, de ma renaissance et de la croyance que je pourrais y arriver. Alors, la technique, ce n'est pas un miracle non plus. C'est-à-dire que la question du handicap, le mot a déjà été prononcé, on est tous handicapés quelque part. C'est un mot qui doit être interrogé, bien évidemment. Et quand ça vous tombe dessus, c'est d'abord une affaire psychologique. Est-ce que vous allez avoir la capacité de faire face ? Donc, la technique, elle vous sert strictement à rien si vous ne décidez pas de vous battre. Voilà. Donc, pour moi, c'était la vision. Et puisque j'ai travaillé sur la résistance, je dirais que je suis d'abord un résistant à la dictature des images. Et les images, elles sont partout aujourd'hui. Mais si vous décidez de vous battre, ben, il est évident que tout le travail que vous faites, dans le numérique en particulier, est absolument central pour cette capacité à la promotion. Et bien entendu, en comparant les situations des personnes dites aveugles, malvoyantes, très malvoyantes, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le numérique, l'informatique en particulier, c'est un outil de renaissance, de promotion, de distraction, d'intégration des personnes en situation sociale dans notre vie quotidienne et professionnelle. Alors pour moi, bah, ça s'est joué à travers l'ordinateur, bien sûr, le téléphone, le scanner, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Alors, le seul... alors, des obstacles, il y en a. Hein. Des obstacles, évidemment. La consultation des archives, c'est très, très compliqué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça a été un obstacle, et ça reste toujours un obstacle, et ce n'est qu'à travers une aide humaine qu'on peut le dépasser aussi. Il ne faut pas non plus rêver à un monde technologique absolument parfait. Mais des progrès considérables ont été faits, et moi je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites dans ce domaine. Reste que les grosses mastodontes, là, Microsoft, Apple, Amazon, etc., il faudrait quand même qu'ils réfléchissent à offrir des outils, des produits qui soient polyvalents, qui soient pour des personnes dites entre guillemets normales et les autres. Voilà, ça pour moi c'est l'accès à l'universel, on en parlait tout à l'instant, qui me semble central. Parce que si je prends, et je m'arrête là, si je prends l'exemple d'un logiciel vocal que vous connaissez sûrement, JAWS, bah, c'est une prothèse. C'est une prothèse qui a été installée sur les produits Microsoft. Donc il faut attendre, il faut maîtriser le traitement de texte, ça c'est comme tout le monde, mais en même temps, et ensuite il faut maîtriser le logiciel vocal. Donc il faut apprendre l'outil de l'outil. Alors, est-ce qu'on va sortir de ça ? Pour moi, ça, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, j'ai un peu l'impression d'être l'envoyé de la dictature, si je vous écoute, puisque moi, je travaille dans l'image, je fabrique de l'image, je l'assume. Je n'ai pas eu le même rapport aux choses puisque moi la question du handicap ne s'est jamais posée puisque j'ai été livré avec, si j'ose dire, sans la notice, mais enfin voilà, et que la notion, on va dire, de diversité ou d'altérité ne s'est jamais posée pour les formateurs, éducateurs, employeurs qui ont pu être mes maîtres, étant donné que j'ai été dans le bain professionnel très tôt et que donc mes lieux de travail étaient également mes lieux d'école et parfois également mes lieux de vie. Pour répondre à ce que vous dites, en effet, toutes ces questions sont des questions qui ont pu aussi croiser un certain nombre de mes situations. Je dois avouer que moi, la grande question a été le rapport au texte, d'où mon cheminement avec Brainet depuis quelques années et différents souvenirs qui commencent déjà parfois certains à dater l'accès aux bibliothèques larges, puis ensuite l'accès aux bibliothèques privées, etc. Je dois avouer qu'en effet, les progrès ont été énormes.
les questions et le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus dans un métier comme le mien sont le fait de l'accès direct au texte, puisque un texte qui est transformé, par exemple, un texte en vocal, c'est un texte qui a déjà été, on va dire, a eu un choix d'interprétation et donc un choix d'émission. Donc ça semble anecdotique, mais ça veut dire que pour la personne qui le reçoit, ce n'est plus le texte brut de son émetteur, de son auteur, comme mon débatteur à ma droite, mais c'est une analyse qui a déjà été faite par un intermédiaire, donc on a déjà un premier filtre, vous parliez des filtres et des prothèses ou autres. Alors, ces questions, en effet, elles existent. Après, il y a des choses qui évoluent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le groupe Apple sur en tant qu'utilisateur sur l'arrivée de différents systèmes qui sont des systèmes aujourd'hui efficients et qui répondent à ce que vous dites. Je fais partie des gens qui sont ravis de ne plus être client de Jaws et qui ne le seront plus jamais, parce que payer un ordinateur tous les 2 ans, enfin le prix en tout cas, alors qu'en face vous avez un concurrent qui vous offre un produit qui fonctionne sans adaptation supplémentaire, sans surcoût et sans aide ni prestataire annexe, c'est parfait. Et donc je pense que tout à l'heure la personne qui ouvrait les débats faisait allusion aux professionnels qui sont dans la salle, je les remercie, et pour dire que parfois un enjeu d'adaptation peut aussi devenir un intérêt commercial et que le commercial n'est pas à bannir ni à considérer comme une opposition, ça peut être éventuellement une aide ou un argument quand bien même les clientèles sont faibles, parce que ça peut aussi servir de bêta-test ou d'argument de communication. Et notamment, on a vu l'arrivée aussi d'un certain nombre de téléphones. C'est pareil, entre l'époque des synthétiseurs vocaux allemands qui étaient tout à fait intéressants mais qui ne fonctionnaient que, enfin, façon de Jaws, et aujourd'hui, ce qu'on appelle les screen text de base sur un certain nombre de téléphones, on a fait aussi beaucoup d'évolutions. Sans rentrer tout de suite dans le détail des choses, alors que je ne suis pas un technicien, donc je le ferai bien mal, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, le fait d'être sur des outils simples et qui rejoignent la globalité des usages, c'est, je pense, toujours quelque chose d'important. Et parfois, d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de faire compliqué pour que ça marche. Moi, je suis souvent en deux positions. La position de l'utilisateur et de l'émetteur, puisque mes employeurs qui souvent reçoivent du public me prennent un peu à partie comme conseil sur le thème. Ah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Par exemple, on est désolé, on n'a pas de programme en braille. Alors je dis, je vais peut-être faire sauter des gens dans la salle, mais je suis ravi que vous n'ayez pas de programme en braille. Ça ne sert plus à rien. Un programme de théâtre qui a des images, qui a des choses esthétiques, qui est un outil plastique, ne sera jamais fait de qualité en braille. Donc pour moi, si on ne peut pas faire un outil de qualité, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour faire des choses bricolées, sorte d'aumône généreuse pour du sous-public. Et quand on a aujourd'hui la capacité, avec des sites internet ou des applications téléphone, de faire des choses qui ont la même qualité de retour d'information, puisqu'un programme de spectacle, par exemple, ou un guide de musée, c'est avant tout un retour d'information, je ne vois pas pourquoi on va bricoler des choses pour faire plaisir à quelques associations rétrogrades. Pardon de le dire comme ça, mais ça me semble primordial. Et en effet, l'importance de développer et de porter les standards, notamment le W3C qui aujourd'hui a valeur mondiale, et je pense qu'on peut s'en réjouir, et que aujourd'hui notamment le W3C est enseigné pour les écoles d'ingénieurs, je pense que c'est tout un tas de points qui sont positifs, mais en effet tout cela reste à améliorer, puisque la limite reste la disponibilité d'informations. Je ne sais pas, Dominique, si je répondais un peu à vos questionnements. Oui, très, très bien. Alors je vais continuer, puisqu'on a commencé, je vais continuer à vous poser des questions, vous tirer les vers du nez, si je peux dire. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous racontiez un petit peu le parcours, puisque l'un et l'autre, vous avez évoqué le besoin d'accéder au texte, avec dans des contextes très différents, de recherche d'une part, de travail de comédien d'autre part. Voilà, vous avez besoin d'informations, d'un texte. Comment ça se passe ? Un peu concrètement, quel est le cheminement, quels sont les outils que vous utilisez, ou les services avec des gens, des vrais gens derrière, auxquels vous faites appel, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en quelques minutes, même si c'est un peu un challenge ?
Jacques, excusez-moi. Alors, pour ce qui concerne la lecture, je suis témoin, enfin, comme beaucoup d'autres, d'une révolution en 20-30 ans. C'est-à-dire qu'on est passé du magnétophone à des systèmes numériques. Et il est certain, par exemple, que l'invention du système DAISY a révolutionné la manière d'écouter et de travailler un livre. Donc, je crois qu'il y a des représentants de DAISY dans la salle. Bon, je dirais vive DAISY, hein, sans difficulté. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais en même temps, j'observe que dans ma propre pratique, il y a une évolution. C'est-à-dire que je consulte beaucoup plus de textes maintenant en format numérique à partir de mon ordinateur. Et que je lis plus vite, en fait. Je lis plus vite, j'ai une capacité d'intervenir dans le texte immédiatement, en faisant des commentaires, des remarques. Quand un collègue m'envoie des documents, ben, un article, il me demande mon avis, ben, écoute, oui, je te réponds dans 24 heures, pas de souci. Je n'ai pas le besoin de le faire enregistrer. Donc là, c'est vraiment la révolution, quoi. Excusez-moi, et ça rassure les gens. Pardon. Vous lisez sur écran braille ? Non, alors moi je suis sur le vocal. Ah, ça va me permettre de dire un petit bémol là, par rapport au braille, même si je suis pas brailliste, par rapport à ce que vous venez de dire, j'allais l'oublier. Mais donc ça c'est l'évolution. C'est vrai que moi je suis toujours avec mon système JAWS, mais même si ça paraît peut-être un peu dépassé, il me rend quand même beaucoup de services. Et ça rassure les collègues. C'est-à-dire que, justement, dans Je veux croire au soleil, je raconte comment j'arrive. Ils m'ont invité à Montréal. Et bon, ils me connaissent par mes travaux, etc. Mais ils savent à peine que je n'y vois pas, quoi. Enfin, il y a peut-être une personne qui est au courant. Ils sont quand même très anxieux. Je sors mon ordinateur, je mets à travailler avec JAWS, je montre comment je peux lire. Oh, soulagement, voyez. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Comme capacité à pouvoir être tout de suite autonome de ce point de vue-là, mais reste le scanner quand même. C'est-à-dire que beaucoup de livres, beaucoup de textes ne sont pas dans le format numérique, parce que ce sont des livres de bibliothèque. À ce moment-là, il faut passer par le scanner, et là, effectivement, il y a une aide humaine qui est nécessaire. Je ne vais pas me taper forcément les 300 pages d'un bouquin qui est absolument central pour moi. Donc là, il faut une assistance, et grâce au CNRS, puisque c'est vrai que je suis prof à Sciences Po, mais je suis aussi directeur du CNRS, on peut avoir cette aide-là, et le CNRS, en France, hein, le Centre National de la Recherche Scientifique, a fait beaucoup pour les personnes handicapées depuis une vingtaine d'années, et l'université française est très en retard. Donc la technique, oui, mais bien sûr, elle est indispensable, il faut la coupler avec une aide humaine qui me semble centrale. Un autre élément que je voudrais faire ressortir, c'est la révolution côté courrier électronique, email, courriel, comme on dit au Canada. On est au début des années 2000, je me sers très couramment des emails, et je dois préparer une conférence internationale, d'ailleurs, sur les violences extrêmes. Ça tombait 2 mois après le 11 septembre. C'est une coïncidence qu'on préparait cette conférence depuis 2 ans. Et c'était moi le principal responsable. J'ai tout organisé par email. C'était la première fois de ma vie, en invitant des gens qui ne me connaissaient pas. Et quand ils sont arrivés, « Ah, c'est toi, Jacques ?»« Ah ouais ? Mais tu vois pas ? Mais comment t'as fait ? » ?»« Bah, par email. » Voyez ? Donc là, on est à égalité. On est à égalité quand on parle au téléphone, on est à égalité quand on se sert de l'email. Alors le gros problème, puisqu'il faut parler des obstacles, c'est l'accès à Internet, enfin au web. Hein. Ça, là, il y a beaucoup de difficultés. Tous les sites ne sont pas accessibles, comme vous le savez. Il y a des outils nouveaux qui sortent. Et là, je voudrais citer notamment VoxyWeb en France, qui est peut-être inconnu, mais pas suffisamment connu. C'est une nouvelle start-up, on dirait, qui rend plus accessible toutes sortes de services via le numérique. Mais il y en a d'autres qu'il faudrait citer. Mais là on patine, quoi. Et donc, sur ce plan-là, c'est sûr que l'assistance, encore, elle est nécessaire, l'assistance humaine. Donc, oui, à la technique, mais rien ne vaut aussi deux bons yeux intelligents qui vont vous aider. Et puis le dernier point sur le braille, alors moi je ne suis pas du tout brailliste, hein. J'ai perdu la vue à l'âge adulte, bon, et ma connaissance du braille, elle est très limitée. Mais pour connaître des personnes qui sont très fortes en braille,
Je sais bien qu'il y a une certaine tendance, on dit c'est dépassé, mais je ne crois pas, je ne pense pas, parce que des enfants qui ont perdu très tôt la vue, si on veut leur faire accéder à l'écrit et à l'écriture, ça ne sera pas par l'oral. Il faut leur donner la structure d'une langue. Il faut leur donner l'accès à l'écrit, et à un écrit qui est l'équivalent des lettres en noir, ça sera le braille. Et c'est par là que va se structurer la pensée. Et je remarque aussi, puisque en plus c'est braille net, qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans ce domaine, et qu'un bon brailliste de l'enfance va avoir une virtuosité extraordinaire à se servir d'un ordinateur et accéder au numérique, voire même à l'Internet, parce que ce sera beaucoup plus facile pour cette personne. Donc je ne pense pas que le braille soit relégué à l'arrière-plan de l'histoire. Je crois que ça restera toujours un support essentiel, surtout pour les personnes qui ont perdu la vue ou qui ont une très faible vue depuis l'enfance. Qui dites-vous ? Le texte a ceci de très important, que c'est un accès direct. Je n'ai pas vos compétences sur le rapport au cerveau et à la connaissance. Moi, je ne suis qu'un utilisateur et un passeur. J'ai même pu voir parfois des gens voulaient, entre guillemets, me faire une fleur en me passant un texte vocal. Il se trouve que j'ai une structure mentale visuelle. Ce n'est pas du tout de la flagornerie de dire ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que même quand je me remémore mes textes, je vois ma barbaille, aussi idiot que ça paraisse. C'est ainsi. Et donc, la structuration mentale et le fait d'avoir un rapport au texte et à la lettre est primordial. Et là où je vous rejoins, c'est que je pense que non seulement ça n'est pas dépassé, mais que justement, avec l'avènement des outils, alors que ce soit... Alors, on peut parler de l'afficheur braille ou d'autres choses, mais en tout cas, du rapport au texte via le numérique qui a été simplifié ces 20 dernières années et qui permet de passer la barre du papier qui, elle, en effet, est dépassée, rend le texte plus actuel que jamais sur son format, je dirais, électrique, pour éviter tous les débats. Quant à mon expérience personnelle, Marcel Proust, je pense que la totalité de la Cité des Sciences ne pourrait pas le contenir en braille papier. Ça a été 6 fichiers sur mon ordinateur. J'ai pu du coup le travailler en tournée, puisque moi, mon problème, c'est qu'il y a des jours où parfois je déménage tous les jours, qu'il faut gérer les textes, qu'il faut gérer les documents. Quant à la vie au quotidien, l'inquiétude dont vous parliez, je me suis permis de sourire parce que je l'ai tellement souvent, et qu'en plus mes employeurs sont des gens qui ont tendance, pour des raisons industrielles ou autres, à gérer le risque pour des histoires d'assurance et autres, et auraient tendance à vouloir me mettre sous cloche. Donc du coup, les questions, alors pas tant à moi, mais souvent aux gens qui s'occupent de ma promotion ou autre, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire pour Melchior ? Oulala, sous-entendu, est-ce qu'il ne faut pas démonter le théâtre ou le plateau pour en faire autre chose ? Et quand elle leur explique mes noms et qu'elle explique moi-même, je n'ai aucune compétence particulière pour travailler avec lui, voilà, envoyez-lui un email, le texte, envoyez-lui un PDF, étant donné que c'est aujourd'hui les formats de base de travail, d'une part, en effet, ça rassure. Et ça repose la question là où elle doit être, c'est-à-dire sur du simple rapport logistique. Je suis même parfois un peu avantagé, puisque un scénario de film ou un texte de pièce, c'est des dizaines, parfois des centaines de pages. Pour ceux qui ont pu côtoyer des salles de répétition ou ceux qui ne l'ont pas fait, vous imaginez des documents en général en plus ou moins bon état, du fait du transport et de la vie d'une répétition. Moi, j'ai mon ordinateur posé sur une table ou sur mes genoux, et résultat, en général, celui qui a le meilleur accès au texte et sur lequel on revient parfois en disant ton texte est plus propre ou plus facile de lecture, eh bien c'est le mien, parce que voilà, un ordinateur, ça se froisse pas, un texte d'ordinateur, ça ne jaunit pas, et en général, à moins d'être très maladroit, il n'y a pas de tache de café dessus, et il ne s'est pas froissé dans le métro. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la simplicité de l'outil apporte beaucoup de choses, apporte cette espèce de garantie de facilité de travail qui est primordiale et qui est très souvent interrogée dans mon cas. Les scanners, alors si vous travaillez au CNRS, je vous enjoins à ce que des gens puissent travailler dessus. Le problème qu'il y a avec le scanner, c'est la faute. C'est-à-dire qu'on est sur l'image et sur les défauts. Alors, moi, j'ai connu les premiers scanners pour la fin de mes études. Ça a aussi fait quand même beaucoup de progrès, il faut être honnête. Je pense que ça en fera beaucoup. Et là, si on peut rejoindre le fait que l'adaptation
indispensable pour nous, parfois rejoint des problématiques, on va dire, plus terre à terre ou plus anecdotiques pour d'autres. Travailler avec les gens qui sont sur les logiciels de reconnaissance de caractère et autres pour des problématiques d'édition, de mise en page, de marketing, que sais-je, puisqu'en gros, c'est grâce à ça. Hein, le scanner était d'abord, il faut le savoir, un outil pour les photographes, pour du traitement d'image et le retouchement d'image. Les fameuses photos retouchées dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le début du scanner. Et son premier outil. Donc d'une certaine manière, on a détourné l'outil du scanner en voulant lui faire lire du texte. Alors tant mieux, c'est super, et maintenant tout le monde l'utilise, y compris des boîtes de com ou des marketeurs pour des choses qui n'ont rien à voir avec les aveugles. Donc je pense que de ce point de vue-là, plus on pourra, rejoindre les problèmes et mettre les problèmes ensemble, et mieux on les réglera. Et dans l'autre sens, parfois des solutions peuvent être des outils indispensables pour nous, alors qu'elles étaient à la base des outils, on va dire, plus anecdotiques. Les audioguides, notamment dans les musées, qui étaient à la base un truc fait pour, entre guillemets, amuser les enfants ou rendre les visites plus sympathiques ou plus ludiques, il n'y a rien de mieux, souvent, pour une adaptation, parce que bon, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un conférencier disponible, c'est génial, mais il n'y en a pas forcément tout le temps. Et puis, quand on va au musée avec sa famille ou ses enfants ou autres, on n'est pas forcément sur les horaires de visite ou autre, même si c'est bien qu'il y en ait qui existent. Donc voilà, parfois, un outil très anecdotique, je pense, peut être source d'équité d'accès et voire même de lien, parce que voilà, l'audiodescription, il va être la base de la description pour un aveugle, mais le cousin, le petit frère, le fils ou la belle-sœur, elle va prendre le même audiodescription pour, on va dire, sa qualité de visite, puis on va échanger. Ah bah c'est sympa, bah qu'est-ce que t'en penses, moi ça m'a amusé, moi je trouve que c'est pas terrible, la description qu'elle fait du tableau, etc. Jacques, je crois que vous allez aussi au musée. Oui. Et alors, comment vous accédez? Qu'est-ce que vous attendez? En référence au thème précédent, je ne voudrais pas oublier le travail qui a été fait pour l'accès aux livres dans le domaine littéraire, particulièrement en France, c'est juste parce que j'ai peur de l'oublier, qui consiste depuis quelques années, maintenant je ne sais pas quand ça a commencé, en un effort fantastique pour mettre sur à l'accès des personnes déficientes visuelles, non-voyantes, les principaux livres de la rentrée littéraire. Je crois grâce au ministère de la Culture, au Centre national du livre et tous les associations qui travaillent là-dessus. Et à Brainet, si je peux me permettre. Et à Brainet, qui a fait un voilà, travail énorme là-dessus. Je n'ai pas d'action chez Brainet, je n'en suis pas membre. Alors, c'est bon. Et c'est unique à l'international. J'ai lu il y a deux ans un article dans un journal anglais qui s'enthousiasmait, qui nous... pour une fois, les Français sont premiers quelque part et dans ce domaine. Voilà, je voulais le signaler. S'agissant de la visite des musées, ce n'est pas forcément toujours une très belle expérience, hein. Quand même, faut bien le reconnaître. J'ai écrit il y a des années un article sur ma visite des musées qui s'appelle « La sonorité des couleurs » et c'est dans la revue Musée de France, en parlant justement des audioguides. Alors bon, c'était les audioguides des années 2000. Hein. Ça a changé, mais on vous donne un audioguide. Ok, d'accord. D'abord, il ne marche pas toujours. Ensuite, il faut aller... quand on arrive dans la salle 3, il faut appuyer sur le bouton 3, mais vous ne voyez pas le bouton 3. Alors, aucune autonomie. Puis si ça marche, là, vous allez avoir une voix soporifique, là, boring, qui vous décrit une œuvre de peinture et ça vous donne envie de dormir. Et si vous avez fait un bon repas avant la visite, vous avez juste envie d'aller sur une chaise ou sur un banc pour faire la sieste, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ça a changé, on est d'accord. Et il y a une évolution qui est aussi assez incroyable avec une association qui s'appelle aussi Accès Culture en France, hein, qui développe. Alors donc toute l'audiodescription, vous avez parlé, c'est assez extraordinaire. Peut-être avec le problème quand même que parfois ces deux audiodescriptions, c'est pas toujours au point quand même. Hein. Il y a probablement un art de l'audiodescription, il faudrait peut-être travailler là-dessus. Mais puisqu'on est à la Cité des Sciences, je voudrais quand même saluer toute l'équipe de la Cité des Sciences qui depuis, je crois, les années 1990, avec une pionnière qui s'appelait O.L. Corvest, à aller étaler dans ce sens-là pour rendre les musées plus accessibles et les techniques modernes permettant de faire des reproductions en relief de sculptures, de peintures, etc., donnent une autre dimension via le toucher
pour les personnes déficientes visuelles. Donc, je crois que ça bouge beaucoup, mais pour moi, en fait, parfois, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que on n'est souvent pas égalité avec les personnes quand on est en famille ou en des amis. On se retrouve un peu en décalage très vite parce qu'on n'a pas les outils et peut-être les applications téléchargeables sont très utiles. Moi, juste ce mot, j'ai travaillé moi-même pour des centres de mémoire, un musée au mémorial de Caen. J'ai travaillé aussi pour le centre de mémoire du Chambon-sur-Lignon, qui est connu maintenant pour l'entraide vis-à-vis des Juifs. Ben, j'ai pas réussi à faire passer le message. Il n'y a rien. Et mais parce que manque de moyens. C'est pourtant un centre de mémoire qui est ouvert en 2012. Donc là, je ne sais pas comment faire évoluer les choses, certainement en travaillant de plus en plus avec le service ici à la Villette, mais je n'ai pas de réponse. Là où je vous rejoins, là, je vais peut-être parler plus en tant que, on va dire, qu'utilisateur et que fabricant. Alors d'abord, en effet, on part de très loin, mais si ça peut vous rassurer, de plus en plus, on sollicite des acteurs pour, on va dire, créer la base, la masse d'informations nécessaires à faire ça. Mais le travail est énorme, de ce point de vue-là, oui, en effet. Et après, en ce qui concerne les moyens, je vous rejoins, et c'est pour ça que je parlais du fait de lier les problématiques, c'est-à-dire que si on reste sur une population, on va dire, particulière, c'est toujours compliqué de générer des moyens. Si on arrive, et je pense que c'est toute la difficulté et tout le débat, et sans doute la réflexion, à le présenter comme une amélioration globale pour tout le monde, c'est-à-dire que le support graphique dont vous parlez, ça bloque la visite pour ceux qui en avaient besoin pour la description. Un enfant de 8 ans, même s'il voit bien, la voix soporifique va l'ennuyer aussi. Donc je pense que de ce point de vue-là, la vraie question de dire qu'on n'est plus sur une adaptation, mais sur, on va dire, une amélioration de la qualité. J'ai moi-même travaillé sur la réflexion globale de musée, un lieu qui n'avait pas de muséographie, et du coup, il n'avait pas de visiteurs, évidemment, et donc le musée était une situation financière très compliquée. Le fait de dire votre muséographie globale, pas que problème d'équité d'accès, mais problème d'esthétisme, d'encadrement, d'accueil, que le lieu soit beau, que le lieu soit facile à voir, etc., pour qui que ce soit, là, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est une problématique globale du site. Donc je pense que si on arrive à intégrer ces spécificités-là dans les outils globaux du musée, de même qu'on va dire que la clim ou la peinture, là, je pense qu'on peut mieux générer les moyens. Alors après, comment le faire et avec quel discours, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Mais en tout cas, les choses sont possibles. Jacques, encore un mot. On est à la conclusion ? On est quasiment à la conclusion. Hein, et je crois que Melchior vient déjà de tirer un élément important de conclusion qui va être discuté dans la journée et sans doute au-delà, parce que, comme l'a dit Bruno, on n'épuisera pas le sujet. Mais un élément de conclusion, et c'est aussi comme ça qu'on a essayé de concevoir la journée, c'est toute la réflexion sur la conception pour tous, y compris dans les musées dont on vient de parler, mais aussi dans les applications, les logiciels, puisqu'on est dans le domaine du numérique. Mais vous avez droit quand même à un dernier souhait à la bonne fée qui veille sur l'accessibilité. La bonne fée. Cendrillon. Voilà celle de Cendrillon, celle qui change les citrouilles en carrosse, par exemple. Si j'avais un souhait pour ce... J'ai deux souhaits, c'est-à-dire effectivement plus de numérique pour la vie quotidienne, le caractère fluide, on va dire, entre personnes ayant un handicap et les autres pouvant un jour avoir un handicap. Donc plus on va aller vers des objets, ce qu'on appelle, je crois, un accès universel, ça ne peut aller que dans le bon sens. À titre plus de chercheurs, mais je pense que c'est un souhait qui peut être absolument général, c'est partir de cette idée que, enfin, de ce constat que c'est la connaissance, l'accès à la culture, c'est surtout, et ça va devenir de plus en plus à travers le web. Le web, ça va être une encyclopédie mais mondiale absolument extraordinaire dans les années à venir, etc. Et ça l'est déjà aujourd'hui. Donc tout ce qui ira dans le sens de créer des outils pour accéder à ce numérique
universelle, moi, c'est mon rêve. C'est, j'aimerais avoir une baguette magique numérique. Voilà. Mais alors, ce n'est pas Cendrillon, l'amiage, c'est Harry Potter. Peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Même question, c'est ça la... Oui. Alors, je vais pas paraphraser Jacques qui a dit ça très bien avec ses mots de chercheur que je rejoins absolument. Je me rappelle et on m'a dit que paraît que c'est l'un des plus beaux sourires que j'ai pu avoir le jour ou lors d'un atelier organisé par une petite structure qui s'appelait Brainet dans les années 90. On est allé chercher Échille au Canada et j'en avais besoin pour travailler. Et accessoirement, plus prosaïquement, que les outils qui existent soient plus pris en main par ceux qui les développent. On a aujourd'hui cet outil merveilleux qui est le W3C. Ça percole assez bien dans le privé. Bizarrement, c'est le public qui suit mal. Donc je crois qu'on a aujourd'hui ici des acteurs publics. Il faut savoir qu'un site W3C ne coûte pas plus cher qu'un site normal, c'est juste une question de conception. Et qu'en plus, là on est en plein dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est indispensable pour les aveugles, c'est aussi utile pour les gens qui n'ont pas la DSL ou qui ont de mauvaises connexions, ça concerne quand même un certain nombre de gens non aveugles sur le territoire français. Et donc le W3C, ce serait intéressant, je pense, ça peut être un début, peut-être pas de baguette magique, mais en tout cas de baguette de Salomon, de bon sens du gestionnaire public, d'imposer le W3C à tous ces gestionnaires de sites. Je pense qu'on en avait déjà fait beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages, cette discussion, ce débat qu'on va prolonger dans la journée. Je crois que vous êtes partis du particulier, vos cas particuliers, pour aller vers de l'universel. Eh bien, c'est ce qu'on va continuer d'essayer de faire pendant toute cette journée. Et puis, au-delà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. À vous deux.